Thierry, salut, c'est Binti encore. Tu sais, je voulais juste revenir sur des points importants quand même, parce que quand tu t'es adressé à moi avec par le biais de Joe Dalton, tu avais quand même connaissance de ma situation puisque Joe Dalton il t'avait dit et vous saviez. Joe Dalton il savait puisque je lui ai raconté les galères que je rencontrais et le fait que j'ai pas de pied à terre en France, que j'étais sans domicile fixe. Et lui, il me disait, il vantait tes mérites en disant que tu étais justement un reporter, quelqu'un qui était proche justement de la banlieue, des gens, des enfants d'immigrés, des injustices en fait, qui étaient aux quatre coins du monde et que tu avais déjà été même fait des reportages en Afrique, etc., etc. Et tu m'avais dit, je me rappelle, que, en tout cas, Jonathan me disait que vous m'aideriez à avoir même une association pour pouvoir m'aider quand je suite à cette affaire, pour pouvoir récolter des fonds, pour m'aider, que ce soit dans mes projets ou que ce soit au niveau de la justice, etc. En fait, vous aviez mis tout en place quelque chose de solide pour m'aider. Tout au début, j'oublierai pas. Et même qui disait qu'on ferait un reportage pour remonter dans mon enfance, pour qu'on regarde tout mon parcours, de d'où je viens et comment j'ai galéré. Parce que toi, en tant que reporter, c'était ta spécialité, en fait. C'était ce que toi, tu savais faire et que tu allais utiliser justement tes qualités et ton réseau pour m'aider. Voilà, tout simplement. Et c'était des choses que vous aviez mis en avant pour installer un rapport de confiance. Et je me souviens très bien et j'y ai cru. Et à la suite, ben, à la suite, tu la connais la suite. Et le discours qu'on a eu ensemble, à chaque fois, tu me dis, mais pourquoi je t'ai pas tenu au courant? Mais tu savais? Tu savais? Tu savais que j'étais malade puisque tu disais, oui, elle pleurait. Quand je l'avais au téléphone, tu sais, je pleurais pas parce que j'avais peur, mais je pleurais surtout parce que je souffrais. Parce que psychologiquement, j'étais atteint à un niveau où je souffrais et la nuit, impossible de dormir, impossible de me nourrir. Et chez les gens chez qui j'étais en Allemagne, eux-mêmes, ils étaient terrorisés parce qu'ils avaient une personne qui était en souffrance et qui était maltraitée et malmenée. Et qui, eux, ne comprenaient pas ce que vous faisiez. Surtout, ils te remettaient surtout toi en question parce que c'était à toi aussi que je faisais confiance. Et eux, ils me disaient de me méfier parce que tu étais un journaliste, en fait. Et au final, tu m'as mis en relation avec des gens. Et de Dalton, lui aussi, tout le monde, en fait, m'a utilisé pour ce que vous avez à faire. C'était le buzz, etc., exposé Soral. Mais au final, vous m'avez laissée après pour morte. Et en fait, pourquoi je te fais ce message? Parce que ça me revient comme ça. Je me dis, mais c'est trop facile de me dire. En fait, c'est ce que le gars de l'écran me disait aussi, Georges Tain. Ah, mais pourquoi tu nous as pas écrit? Tu nous as. Mais c'est ce... mais je l'ai fait. Et toi aussi, je l'ai fait. Je t'ai demandé de l'aide et tu m'avais dit que tu ferais des choses et au final, tu as simplement disparu. Et à un moment donné, ne me dis pas que t'es pas au courant du conflit que j'ai eu avec Becker, quand Becker, elle m'a lâché. Tu t'es même pas toi demandé pourquoi elle m'a lâché. Et tu lui as pas de... Puisque c'est toi qui me l'as présenté, tu t'es pas dit, tiens, qu'est-ce qu'il en est avec l'affaire? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? En tout cas, moi, j'ai mon témoin. J'ai mon témoin, mon père qui était là, parce que mon père, lui, il n'y croyait pas, hein, quand je lui dis que vous alliez m'aider. Lui, mon père, il disait que tout le monde, en fait, depuis le départ, me disait que je rêvais, que je délirais. Et moi, je croyais finalement en toi et en ce que vous m'aviez promis, toi avec Becker et Joe Dalton. Et au final, Soral, quand il a sorti sa vidéo, il affirme avoir communiqué avec toi concernant mon dossier et que le dossier était vide. Et c'était au même moment quand Becker, justement, elle me disait de me rétracter, que de toute façon, à cause du courrier que j'ai fait, eh ben, soi-disant, c'était pas un courrier pour Soral ou pour vous ou pour moi. Non, c'était un pour vous. En fait, c'était surtout un courrier pour vous empêcher d'exploiter, de faire sortir la photo de Soral. Parce que moi, j'avais dit, ça allait me porter préjudice à moi. Et moi, quand je l'ai partagé
à toi et à Joe Dalton, c'était parce que vous me demandiez de prouver ce que je disais en fait. Parce que vous ne me croyez pas, Joe Dalton, il ne me croyait pas quand je disais que j'avais été menacée et injuriée par Soral et Mathias Cardet. Voilà. Donc après, moi, je vous ai, et dans ce courrier, tu m'as demandé de te l'envoyer, mais je le garde parce que c'est pour me protéger en fait, juridiquement. Parce que j'ai été en détresse psychologique totale. Je me souviens quand ça s'est passé parce que je me disais, finalement, vous vouliez plus vous arrêter, toi et Joe Dalton. Vous étiez déterminés à poster cette photo. Et moi, j'étais déterminée à me protéger ma santé et ma santé mentale, tu vois. Donc là, je te fais ce message pour rappeler, parce que durant toutes les conversations qu'on a eues, tu n'as cessé de dire, ah, mais je ne savais pas, je ne savais pas, tu aurais dû me dire, moi je pensais que ça allait bien. Mais non, depuis le départ, tu savais que j'étais malade. Tu savais que je souffrais de martyr psychologiquement. Tu savais que j'étais sans domicile fixe. Tu savais que je cherchais le gîte et le couvert. Et que finalement j'étais à la rue, hein. Et que à la fin moi j'ai été récupérée, j'ai été sauvée par tu peux aller à l'armée du salut, tu peux aller leur demander, hein. C'est eux qui m'ont aidée, qui m'ont fait une domiciliation, je te le dis, hein, qui m'ont fait une domiciliation comme les SDF. Je me suis retrouvée par là-bas et petit à petit voilà, je me suis retrouvée dans des endroits pour des personnes qui sont battus parce que j'étais une personne dans la rue, je me suis fait agresser. En fait, il m'arrivait tellement de choses à cause de cette affaire que c'est pour ça que moi je me considère comme une survivante et que j'ai bien fait de faire en sorte surtout de rester en vie parce que j'ai compris que si je mourais, vous tous allez récupérer mon histoire, mon cadavre pour raconter une nouvelle version. Et de même de mon vivant, Mathias Cardet le fait. Parce que, soi-disant, d'après vous, parce que je suis silencieuse, tout va bien. Non, il faut que tu comprennes que ce silence, c'était une sorte de mort. Parce que je me suis dit, comme tout le monde est contre moi maintenant, les gens qui sont censés m'aider m'ont utilisé, m'ont fait croire que si je portais plainte, j'allais être aidée. Si je parlais avec les médias, j'allais être aidée. Et finalement, non, non seulement j'ai pas été aidée, mais j'ai été trahie. Et après, à la fin, c'était limite, tout le monde avait plus intérêt que je m'étais. Donc oui, j'ai décidé de faire la morte. C'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes. Mon silence, c'était une forme de mort. Et ça a été une mort sociale, une mort économique, une mort de tout. Parce que j'ai plus de vie, en fait. Je vis, en fait. J'ai une nouvelle vie, en fait. C'est une vie qui est cachée, en fait, parce que même mon identité, pour aller travailler, mon nom est complètement changé. Et aujourd'hui, c'est Mathias Cardet qui reprend mon histoire et mon rôle, et qui se fait aujourd'hui, qui écrit un livre sur l'affaire Binti, et il se fait passer pour moi. En fait, il dit, oui, j'ai été menacée, harcelée pendant 7 ans, j'ai dû déménager, changer de nom. Le mec, il fait un livre en racontant mon calvaire. Pourtant, il gagne toujours de l'argent. Il s'est fait non seulement de l'argent avec l'antisémitisme par le biais de Soral, parce qu'il a fait un livre, il a gagné de l'argent. Il a vraiment surfé sur l'antisémitisme. Et maintenant, il fait un livre pour surfer sur encore l'antisémitisme qu'il a alimenté et nourri pendant des années. Et maintenant, il en fait un business, en fait. Il en fait un business et cette fois-ci, il se met en victime et il prend mon rôle comme si j'étais morte en fait. Donc, je t'accuse pas, je ne te mets pas en... Mais quand tu me dis, tu me répètes, oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû te prévenir, ça, je veux pas entendre ça parce que ça, quand j'entends ça, je me dis que c'est une forme pour me faire culpabiliser et or que non. C'est toi qui devrais te sentir mal à l'aise, pas moi. C'est pas moi qui dois me sentir mal à l'aise parce que de me faire croire que j'ai pas eu la bonne action à faire. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire et surtout, c'est toi qui m'avais dit qu'est-ce qu'il fallait que je fasse et qui finalement, après, tu n'as finalement pas respecté ta parole. Tout ce que tu m'as dit, tu ne l'as pas fait.
dès que tu as eu les informations, dès que moi j'ai fait ce que j'avais à faire, que tu m'as demandé de faire, que j'ai fait, c'est-à-dire aller porter plainte et après faire l'interview avec Street Press et après rencontrer aussi l'avocat de Becker, j'ai joué le jeu, c'est-à-dire moi je pensais que c'était ce qu'il fallait que je, il fallait que je t'écoute pour être aidée. Et au final, et de me dire oui, parce que j'ai disparu. Non, ça, j'y crois pas. Parce que tu vois, on regarde aujourd'hui, tu vois, il suffit d'un rien. Voilà, ça veut dire si tu voulais me recontacter, tu m'aurais tendu la main. N'importe qui m'aurait tendu la main quand j'étais à la rue pendant ces 7 ans, je l'aurais pris. Et les seules personnes qui m'ont aidée, je le sais, c'est qui. Donc voilà, donc là aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que tu revoies sincèrement ta position et ne pas te mettre en personne qui ne savait pas, parce que justement, être dans le déni, je vais être honnête avec toi, ça va plus me faire mal et ça va plus faire en sorte que je pense qu'il faut que j'avance de mon côté et que c'est pas une bonne idée d'être en contact avec des gens qui ne reconnaissent pas leur responsabilité. C'est-à-dire, je te dis pas que tu es responsable de ce qui m'est arrivé, mais que tu sois responsable aussi de tes actes à toi. Moi, je suis responsable de mes actes et des conséquences que ça a fait. Mais toi, tu es responsable aussi de tes actes à toi et des conséquences aussi qui ont engendré. Tu m'as quand même demandé de faire certaines choses. Il y a eu des conséquences. Et le fait que tu ne respectes pas aussi tes promesses, il y a eu des conséquences, il y a eu une rupture de confiance et qui a pu créer justement le fait que je ne te relance pas, parce qu'à un moment donné, moi j'ai choisi aussi ma dignité. C'est-à-dire, à un moment donné, le fait de ne plus solliciter les gens, c'est parce que moi je déteste mendier. C'est le truc le plus pire. J'ai pas été sur les réseaux sociaux en train de faire des posts ou faire des pages pour étaler tout ce que vous m'aviez fait. J'ai gardé ma dignité. Et si pour toi, le fait d'avoir gardé ma dignité et de ne pas avoir exprimé sur les réseaux sociaux, de faire la victime de ce qui m'est arrivé, ça veut dire que j'allais bien, maintenant, je vais te rappeler, ça s'appelle des valeurs. Il y a des personnes qui sont dignes et je pense que la majorité silencieuse des Français qui souffrent, parce que moi, dans la rue, j'ai bien vu que ce qui m'arrivait, j'étais pas la seule. Il y a des gens à qui il y a des choses qui arrivent bien plus pires que moi. Et ils ont encore plus de dignité parce qu'ils ne le montrent pas. Ils continuent à marcher la tête haute. Et la société pense que parce qu'on est silencieux et parce qu'on est digne et parce qu'on est fort, et ben que tout va bien. Non, non, pas du tout. Et donc, voilà. Donc, je veux juste t'éclairer sur ça. Et en tout cas, si tu es vraiment sincère, ben moi, cette sincérité, c'est pas d'être gentil avec moi, c'est de reconnaître. Parce que moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais vraiment ce qui s'est passé. Voilà, là, je suis en train de lire ce que tu m'as écrit, ce que tu m'écris. Et là, tu vois, tu me demandes de te faire confiance. Mais si tu veux qu'on rentre justement dans un truc de confiance. À nouveau, moi là déjà, quand tu me réécris, tu me dis que dès hier tu parlais avec Jonathan et avant-hier et hier avec l'autre, je sais pas l'autre qui m'a. Les deux là, les pires là, je te l'ai dit, hein, moi ils me font plus peur que Soral. Et à l'époque, je le disais, à l'époque, moi je disais, j'ai plus de chance dans cette affaire finalement de me faire tuer par un Kémi Séba, Mathias Cardet, Jonathan Roca Diallo, qu'un facho, parce que eux, en fait, ils sont tellement. Il n'y a tellement pas d'honneur et pas de structure, il n'y a pas d'empathie, il n'y a rien, tellement prêt à tout pour de l'argent ou pour de la gloire ou pour leur carrière, qu'ils en ont tellement rien à foutre de mon existence, de ma vie. En plus, on est passé dans la. Entre-temps, il y a eu le MeToo et il y a le Black Lives Matter qui est passé. Moi j'ai vécu les deux trucs, c'est-à-dire le MeToo et le Black Lives Matter. C'est-à-dire, à un moment donné, on n'avait plus rien à faire de ma vie. Et les personnes qui se disent en France représentantes de ces causes-là ont été d'une indifférence glaciale. Et c'est pour ça que je dis vraiment aujourd'hui, si toi, tu te sens pas du tout connecté avec ces gens, avec ce qu'ils représentent,
C'est pas en nous disant fais-moi confiance ou non, c'est en reconnaissant ta part de responsabilité. Parce qu'à la base, moi, quand j'ai parlé avec Joe Dalton, on m'a dit qu'on allait m'aider. Et Joe Dalton, il m'a présenté à toi, vous m'avez dit des choses que vous avez jamais fait en fait. Vous m'avez promis des choses que vous avez jamais fait. En revanche, par contre, moi, vous m'avez demandé de faire des choses. Vous m'avez dit d'aller porter plainte. Et vous m'avez demandé de vous donner cette plainte. Vous m'avez demandé de faire l'interview à Street Press. Toutes ces choses-là, en fait. Et moi, tout ce que je faisais, en fait, c'était dans l'espoir d'être aidée. Parce que j'étais dans la rue. J'étais dans la rue et j'étais malade, surtout. Plus que d'être dans la rue, j'avais besoin d'aide. J'étais vulnérable. Voilà, et aujourd'hui, il est temps de raconter mon histoire. Donc, moi, j'en ai plus rien à foutre, en fait, de ce qu'ils racontent. Parce que j'ai compris que ces gens, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas arrêter ces gens d'exister, d'être. Donc, Mathias Kardec, il raconte ce qu'il voudra. Joe Dalton, pareil. Roca Diallo, pareil. Kémi Séba, pareil. Et moi, je raconterai mon histoire aussi. Voilà. Et moi, derrière moi, je suis pas dans, moi je suis, moi j'ai rien finalement à cacher. J'ai rien de beau à même à raconter. J'ai juste une histoire à raconter qui est dramatique, qui est moche, qui est sale. Ça s'appelle la rue, ça s'appelle l'enfance, la maltraitance, ça s'appelle les foyers, ça s'appelle la délinquance, ça s'appelle les rencontres avec des prédateurs de tout genre, ça s'appelle la prison, ça s'appelle toutes les galères. Voilà. Moi, j'ai pas de belles images à vendre une carrière ou comme eux ils disent. Donc finalement, je me dis, je m'en fous en fait. J'ai eux, au contraire, ils sont tous en train d'essayer de vendre une image de héros, de super leader, de représentant de cette cause et de ceci et de cela. Moi, je représente rien du tout. Moi, je suis juste une enfant qui a grandi, une enfant qui a vécu des choses horribles et aujourd'hui qui est devenue une adulte qui essaye de trouver sa place dans la société, qui essaye de comprendre et de se soigner et d'aller mieux et de faire mes rêves. Voilà, j'ai été manipulée par des pseudo-producteurs. Après, j'ai été embarquée par une machination, par les ennemis d'ennemis et de trucs médiatiques, journalistes et autres, et compagnie, etc. Et qui m'ont utilisée comme de la chair à canon, faut le dire. Et puis à la fin, ils m'ont laissée pour morte. J'ai l'impression d'avoir été sur un billard, qu'on m'a ouvert le corps et qu'on m'a pris des organes pendant que j'étais en vie et qu'on m'a pas recousu. Et ça, je parle de vous, Thierry Vincent, parce que c'est vous qui avez pris des éléments de ma vie, de mes souffrances, de mes combats, pour en faire vos guerres contre Soral. Et à la fin, vous m'avez laissé, vous m'avez même pas recousu, vous avez même pas vérifié si j'étais encore en vie, si j'allais bien. Il y a MeToo qui est passé, personne ne s'est dit, ah tiens, Binti, qu'est-ce qu'elle devient? Et si on vérifiait, et si on faisait une enquête, et si on allait voir comment elle allait? Pourtant, qu'il y avait bien 5 ans de procès. Il y avait bien des journalistes qui venaient. Il y avait bien Agence France-Presse. Je les voyais. Eux, ils venaient parce qu'ils ne venaient pas pour moi. Ils venaient juste parce que c'était Soral. Mais je me dis, si eux, ils venaient, Street Press, ils auraient pu venir aussi pour vérifier. Parce que c'est eux qui ont lancé l'affaire. Toi aussi, tu aurais pu venir par curiosité. Parce que quelque part, vous êtes toujours en train de revendiquer le journaliste, il est curieux. Le journaliste, c'est lui qui fait les enquêtes, c'est lui qui va chercher, qui se démerde et tout. Donc pourquoi me porter la responsabilité à moi en me disant, oui, mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû nous contacter, tu aurais dû nous appeler. Non, parce que vous, les journalistes, quand vous voulez savoir, vous n'hésitez pas à aller chercher, à aller fouiller, à aller trouver. Donc, tu vois, c'est ça que je n'ai pas trouvé sincère dans ton approche et que je me pose des questions, du coup, voilà, entre ce que tu me dis à moi et de l'autre côté, tu parles avec Joe Dalton et de l'autre côté, tu parles avec un de mes agresseurs directs. Et à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi tu parles avec eux. Si tu sais le mal qu'ils m'ont fait, techniquement, moi, je ne comprends pas pourquoi tu continues de parler avec eux. Voilà. Après, maintenant, je te l'ai dit, de toute façon, à la fin, c'est mon histoire.
c'est mon vécu, vous m'avez tout volé, mais vous ne pouvez pas me voler maintenant. On est arrivé dans une ère où justement on dit que la parole se libère, et les femmes surtout, parce que c'est les femmes. Ce qui m'est arrivé, c'est parce que j'étais une femme. J'ai eu affaire à un groupe d'hommes, vous étiez tous des hommes, que ce soit dans la partie de Soral aux journalistes, c'est que des hommes. Et moi, j'étais une femme et je pense que j'ai été victime de sexisme. Voilà, de sexisme. Ce que vous m'avez fait, c'est parce que j'étais une femme. J'aurais été un homme, j'aurais pas été traité comme ça. Parce que les hommes de banlieue, les hommes de la rue, les garçons, vous les traitez pas comme ça. Et même si c'était des garçons, ils allaient vous tomber dessus. J'ai été victime d'être des clichés, stéréotypes des femmes et des femmes noires. Et femmes de la rue, parce que c'est ça qui a été utilisé pour. Mais contrairement à tout ça, ce que les gens ont oublié justement, c'est que moi j'ai grandi dans des foyers. C'est une autre forme de rue, et les familles d'accueil. Ça veut dire j'ai d'autres ressources que les quartiers, que les banlieues, malgré que je viens de là, pour savoir anticiper les coups et rebondir. Et donc voilà, donc là je t'ai dit. Je suis là maintenant. Moi, je suis quelqu'un de pacifiste. Ça veut dire que j'accepte le pardon. Mais il n'y a personne qui. Même Mathias Cardet, il a fait son livre. Il se dit se faire une sorte. Il se repentit, mais pas une fois, il montre de la sympathie, de la compassion en ma personne. Au contraire, il me diffame, il me salit. Il continue à me mépriser. Il continue à faire véhiculer le message que lui et Soral et tous les autres ont voulu faire passer de la femme noire et de moi aussi. Donc ça prouve le sadisme, le level de sadisme qu'il est. Donc maintenant, toi non plus, tu m'as pas dit pardon hein, quand on parlait. Tu étais juste en train de me faire culpabiliser. T'arrêtais pas de dire, ouais, mais pourquoi tu m'as pas écrit? En gros, c'est ma faute. Tu vois la mécanique. Tu vois, c'est ce que j'ai appris maintenant. Hein. Le truc avec les gens qui souffrent, c'est qu'à un moment donné, on comprend, on commence à analyser pourquoi on souffre, et à force qu'on nous fait croire que c'est de notre faute, ben on essaye d'être une meilleure personne et on se remet en question. Et à un moment donné, on comprend que finalement, c'est pas toujours de notre faute et que c'est les gens utilisent ça contre nous. Donc moi, je t'ai écouté et je suis pas d'accord avec la rhétorique de que c'est de ma faute. En gros, pourquoi je t'ai pas écrit? Non, c'est toi qui m'a manipulé. Quand je dis manipulé, c'est-à-dire que tu m'as dit des promesses, tu m'as dit beaucoup de choses à l'époque quand j'avais besoin de soins, d'aide, parce que j'étais dehors. Jamais une fois tu m'as proposé de me proposer un logement, ni Joe Dalton, ni toi, vous m'avez pas aidé justement à ce que je puisse rencontrer un médecin, que je puisse être aidée. Vous m'avez pas aidé aussi par rapport à l'association pour faire reconnaître mes souffrances, que j'avais besoin d'aide pour par exemple payer un avocat. Tu m'avais dit que tu allais mettre le truc en place pour cotiser parce que Becker a demandé 1000 euros. Et t'avais dit que tu ferais les choses et tu l'as pas tenu, toutes ces paroles-là. Et quelque part, Becker, elle me doit rien. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle m'a lâché. Après, moi, je pense qu'elle te donnait aussi un coup de pouce parce qu'elle m'a écrit un mail. Tu sais que j'ai un mail de sa part où elle parle de toi, où elle dit oui, qu'elle avait besoin de. Tout ça, j'ai tout. Je t'ai dit, j'ai tout. J'ai tout, 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 tout. Donc, soit tu es honnête, tu me fais. Tu me, tu, quand je dis honnête, c'est par rapport à moi, humainement. Que tu dis, t'assumes ta part de responsabilité et les erreurs, ou soit tu continues à faire comme si de rien n'était, c'est pas grave, hein. Parce que moi, la vérité, elle sort pas de la bouche des gens, c'est les faits. Moi, je suis devenue très procédurière, c'est les faits qui comptent, parce que c'est ce que mon affaire, elle m'a appris à la fin. À la fin, c'est les preuves qui comptent. C'est pas ce que les gens disent, c'est les preuves. Voilà. Donc, je te laisse voir. Moi, comme je dis, la gentillesse, j'ai bien compris que c'est par la gentillesse que passent toutes les perversions. Quand les gens ils veulent faire des trucs bizarres, ils passent par la gentillesse, très certainement pas par la méchanceté. Donc là, ça veut dire que je me méfie, hein. Je me méfie par instinct de survie et surtout parce que ce qui m'a pas tué.
m'a rendue plus forte, mais surtout bien plus intelligente, pleinement pour comprendre comment je m'étais fait avoir au début. Donc voilà. Moi, je te laisse voir de ton côté. Par contre, si tu m'appelles pour faire un, si tu me recontactes pour encore me jouer la carte que tu savais pas, là, ça va pas passer. Tu savais très bien à qui tu avais affaire. Soral aussi, puisqu'il faisait des articles pour se moquer de moi et dire que j'étais folle et dire que j'allais voir un psychiatre. On se moquait que je dormais dehors, que j'ai dormi dans la voiture, que j'étais. On se moquait de moi parce que justement j'avais une enfance complètement flinguée, parce que j'avais été en prison. Ils ont inventé que c'était à cause des juifs, complètement faux, que j'ai été violée par un juif, complètement faux, que toute ma vie en fait était sabotée par des juifs. Tout ça, tu savais, parce que c'était Soral qui utilisait ça pour me torturer, et pas un moment. Toi, en tant que journaliste, tu as fait un article où tu m'as aidé justement à faire un article pour me donner pour que je puisse faire mon droit de réponse. Tu vois, tu m'as présenté à Street Press et là tu es en train de voir maintenant avec du temps que finalement cet article il m'a plus désavantagé dans le sens où voilà, il me fait passer pour la meuf qui était conne. Mais c'est pas grave parce que maintenant je vais pouvoir raconter mon histoire comme toutes les femmes elles le font là, en ce moment. Maintenant c'est devenu l'air du temps grâce à MeToo. Pouvoir raconter son histoire. Voilà. Donc moi, sache que je ne m'inquiète même plus des mensonges qu'ils disent parce que ça fait 7 ans que moi je suis. C'est pas fini. Hein. Je suis toujours dans un état où je suis encore en train de me soigner et essayer de me réinsérer, essayer de rattraper le peu de temps qui me reste parce que 7 ans de ma vie en tant que femme, c'est énorme. Ça veut dire j'avais 33 ans, j'ai 40 ans, j'ai passé 7 ans, je suis encore dans ça. Là, je peine déjà à me relever, que maintenant, Mathias Cardet revient à nouveau. En fait, le problème, c'est de vous utiliser mon nom, en fait, dans un ère où aujourd'hui, l'Internet, tout passe par l'Internet. Quand on veut trouver un travail, l'employeur, on tape le nom. Tout joue avec sa réputation. Même Mathias Cardet. Il essaye de réparer sa réputation pour gagner de l'argent. Moi, vous avez tué mon nom, vous avez sali mon nom, vous m'avez associé à des antisémites, vous m'avez utilisé après pour faire vos guerres, je porte plainte, mais vous m'avez vraiment utilisé comme une serpillière, en fait. Et aujourd'hui, toi, maintenant, tu me dis, oui, tu savais pas que tu pensais que j'allais bien. Non, ça, je peux pas y croire. Je pense que c'est pour ta conscience, en fait. Que tu t'es dit ça, mais tu étais au courant que j'ai porté plainte contre Becker, tu étais au courant que ma plainte, que j'avais porté plainte sans que j'ai continué à avancer sans vous et que Soral avait été condamné et jamais tu t'étais venu au, jamais t'es venu au procès. Il y avait plein de journalistes. Jamais, je t'ai pas vu au procès. Je t'ai pas vu, même sur les réseaux sociaux, réagir. Parce que moi, je vérifiais vos profils. Pendant 7 ans, je vous ai tous vérifiés. Je vous ai tous observés. Tous comment vous avanciez sur vos réseaux sociaux. Je prenais des notes. Je prenais des notes. Je prenais des notes pour pouvoir aussi essayer de vous comprendre. En fait, j'essayais de me mettre à votre place. Pour me comprendre, j'ai essayé de vous comprendre. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi vous avez agi comme vous avez agi. Voilà. Je t'ai dit, en fait. Pendant ces 7 ans qui a été pour moi psychologiquement une torture parce que j'ai été vraiment malmenée, j'ai fait vraiment un travail sur moi. Et la meilleure manière parfois de comprendre mon affaire, c'était aussi de comprendre qui vous étiez. Voilà. Donc je m'arrête là parce que je pourrais en parler des heures parce que c'est quand même 7 ans de ma vie. 7 ans de ma vie, une bande organisée comme ça là. Là, j'ai parlé avec toi, mais à la fin, quand j'ai raccroché, je me suis dit, dans ta sincérité, il y avait beaucoup d'incohérences. Parce que tu étais au courant. Voilà. Bonne soirée. Je me dis, il faut que je lave l'honneur de cette femme. Il nous présente son livre, un livre qui s'intitule Les bouffons de la haine. Et dans ce livre, il prétend donc qu'il était un infiltré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que sa pièce maîtresse pour faire tomber Soral, c'est Binti Bangoura. On va pousser l'investigation puisque notre cher Thomas Lind nous explique
que donc c'est Binti qui a renvoyé ce selfie. Donc là, on vient d'entendre l'audio de Binti. Et nous allons voir si réellement elle a insulté l'enfant de Soran. On va voir si réellement elle a insulté Soran. Donc là, qu'est-ce qu'on peut observer ? Je dirais que c'est quelque chose de... c'est la chose la plus importante. J'ai écouté ton audio, tu sais, où tu dis que c'est un escroc.